y a 2 ans, nous avons entrepris une réforme pour intégrer davantage à nos formations les enjeux énergie, climat, environnementaux dans nos formations. Et nous avons réorganisé, restructuré notre référentiel de compétences autour de ce que nous avons appelé l'innovation responsable. Cette réorganisation du programme s'est faite autour de 4 grandes, ce qu'on appelle des unités d'enseignement. La première unité d'enseignement consiste à donner aux élèves les connaissances et les savoirs nécessaires pour former des ingénieurs. Donc on parle là des cours plus fondamentaux en mathématiques et en physique notamment. La deuxième unité d'enseignement consiste à leur apprendre des méthodes et donc à les faire travailler en groupe sur des projets pluridisciplinaires. La troisième consiste à leur donner les langages de l'ingénieur, c'est-à-dire bien parler le français, maîtriser les langues vivantes, notamment l'anglais, et aussi les langages informatiques. Enfin, la dernière unité consiste à les faire construire leurs projets personnels et professionnels. Donc on va retrouver là le choix des parcours, puisque à l'ESME, les élèves peuvent choisir dès la prépa entre 6 parcours. Et il va y avoir aussi le développement personnel à travers des projets de vie associative, d'engagement citoyen, les stages, la découverte de l'entreprise. Nos premiers partenaires sont les entreprises, évidemment. On est une école, encore une fois, plus que centenaire. On a diplômé 16 000 ingénieurs ESME. Évidemment, on s'appuie sur ce réseau. Cette formation, elle a vocation à former des ingénieurs qui seront capables d'accompagner ce qu'on appelle la transition énergétique et la transformation numérique des entreprises. Nous avons également des partenaires académiques, puisque nous proposons un certain nombre de doubles diplômes avec des universités, comme l'Université Paris-Saclay, avec des grandes écoles, notamment Centrale Supélec, et également 25 partenaires internationaux pour des doubles diplômes à l'international.